que c'est de bon, Until Dawn, et c'est l'épisode 4 qui arrive. C'était juste une blague, Anna. C'est aujourd'hui le premier anniversaire de la mystérieuse disparition de ses filles, Anna et Bess Washington. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Boum! L'effet papillon. Pardon? T'as dit quelque chose? Oh, bien sûr. T'étais trop occupé à faire ta connasse. Arrêtez! Mike, pourquoi est-ce que t'irais pas voir la cabane dont on a parlé? Ouais, d'accord. C'est des vrais cris, hein, n'empêche, hein, dehors. Hein. Bordel, qu'est-ce que tu portes? Voici notre billet vers le monde des esprits. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai fou. Si c'est ça que tu veux... Jess? Jess! Alors, ça dit ici... Pour communiquer avec le monde des esprits, vous devez vous libérer de tout préjugé, de toute inhibition... Attendez, on va faire chaque heure une par une, donc il reste 8 chapitres? Chacun de vos désirs... Le jeu n'est pas aussi long, wesh. C'est-à-dire moi. Ça dit pas ça, non? Et toute personne présente retirera ses vêtements à ma seule discrétion. Chris, allez, c'est sérieux, là. Je suis sérieux à mort. Ah, tais-toi. Bon, allez, essayons. Oui, je te remercie. Ok, alors, on va voir. Ashley, vu que tu es fraîchement converti, pourquoi ne pas être notre médium aujourd'hui? Ok. Esprit, es-tu là? Ça, jamais je le fais, hein, je vous le dis. Hein. Te présenteras-tu à nous si tu es là? Attends une minute. C'est toi qui fais ça? Non, j'ai rien fait du tout. Ça bouge encore. Ah. Qu'est-ce que ça épelle? Attends. Mais comment c'est possible? C'est toi qui le bouge? Je te jure que c'est en train de bouger. Ouah, cette vitesse. Putain de merde. À l'aide? Comment on est censé aider? J'en sais rien, ça veut dire quoi? Il faut qu'on sache qui c'est si on doit l'aider. Qui es-tu? Oh, ça y est. Ok. S. O. E. U. R. Sœur. Sœur? La sœur de qui? Oh, arrête, t'es sérieux? La ferme. Demande-lui la sœur de qui? Josh, ça doit être... Ouais, ok, bon. De quelle sœur il s'agit alors? Ashley, demande-lui qui elle est. À qui parlons-nous? Anna? C'est toi? Oh, bon sang! C'est n'importe quoi. Josh? Tu... Ça va. T'es sûr? Parce qu'on peut arrêter, hein? Non. Hey, ça va. Je veux entendre ce que ça veut nous dire. Je sais pas par où commencer. Réfléchis. S'il s'agit vraiment d'Anna, on va... Peut-être savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Josh? Je peux gérer. Ok. Laisse-moi réfléchir. Anna, tu nous manques. Et on veut savoir ce qui t'est arrivé. Tu peux nous dire ce qui s'est passé? T'es... R. A. H. Oh. J'aime pas ça. Trahi. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça continue. Oh merde. T. U. E. E. Tué. Oh non. Tué. On les a pas tués. C'était juste une farce. H. Du calme, hein, ok? Il faut qu'on en sache plus. Je suis désolée. Tellement désolée. Regarde, qu'est-ce qu'elle veut dire? Demande-leur ce qui s'est passé, c'est l'unique façon de savoir. Vas-y, H. Qui t'a tué? Et là, elle va écrire toi. Ok. Qui t'a tué? Omar. Anna, qui c'était? Omar m'a tué. B. I. Une bite. B. Ah non. Bibliothèque, il y a peut-être quelque chose dans la bibliothèque. B. R. E. U.
vue. Preuve. Il y a une... Dans la bibliothèque. Oh merde. Chris. Tu sais quoi? Non, c'est des conneries. C'est pas vrai. Josh, je sais pas ce qui se passe. Écoute, je sais pas. Je sais pas si tu penses que me chercher va m'aider à gérer ma peine d'une façon. Attends, il y avait quelqu'un à la fenêtre derrière. Mais c'est pas cool. Josh, non, c'est toi qui voulais utiliser le plateau de spiritisme. Hé, du calme. Ah, j'ai vraiment pas besoin de ça maintenant. Putain, vous êtes trop loin. On devrait peut-être le rattraper. Il va se reprendre, il faut... Laisse-lui juste un peu de temps. Non, je lui en veux pas. C'était dingue. Il y avait une meuf dans le chalet. Il y a sur la table. Et je l'ai même pas vue. Tu t'y es drôlement bien pris. J'ai pas fait semblant, pas du tout. On devrait faire comme il dit. On devrait aller dans la bibliothèque. Ah ouais, clipper vite fait. Jessica. Oh, allez. Jess. Jess, t'es là-dedans? Oh. Ah! Wow! Mais il est tombé d'où? Ça vient d'où, ça? C'est pas drôle. Merci The Boss pour le 6ème mois. Merci le Doc Momo pour le 31ème mois. Mathis pour le 16ème mois. Akita du 68 pour le 38ème mois. Najawi 20ème mois. Tanguy 4ème mois. Warval 53ème mois. Tarkas 31ème mois. Et Tazi 37ème mois, et pour les autres, passé. Je vous fais après. C'est vraiment pas drôle. Histoire qu'on n'en perd pas trop de temps. Donc on est dans la scène. Allez, je promets de ne pas t'assassiner. Oh, bordel. Non. C'était trop drôle. Mais non. Attends, faut que tu vois ça. Je veux rien voir de... Non, Mike. Non. Quoi? T'as filmé ça? Regarde ta tronche. J'avais peur, Jess. Tu peux pas sauter comme ça sur moi. On est au beau milieu des bois. C'est super flippant. Oh, pardon, ouais. Je te fais peur. Ouais, mais on peut plus l'avoir, le totem derrière, si. Tu quoi? Je vais te tuer. Je savais pas que ton hurlement de terreur était aussi féminin, Michael. On ne connaît vraiment les gens qui... Oh, il a envie de lui mettre un front, hein. Tu la frousses. À ce que je vois, j'ai toujours mon pantalon. Ah, c'est comme ça. Ouais. Va falloir que t'essaies encore. Ah, un défi, hein. Alors accroche-toi bien, car tu es sur le point de ressentir toute l'ampleur de mon exceptionnel talent. Alors attendez. Totem ici déjà. Alors un conseil. Prends le chemin loin de la roue, peut-être, je sais pas. Alors attendez. On retourne derrière. Il y avait un totem au tracteur, paraît-il. Et j'avoue qu'on n'a jamais vu le film avec tous les totems. Attends, c'était pas là ? Attends, il est où ce tracteur, wesh ? Attends, c'est quoi ce merdier ? Il est où le tracteur, les gars ? Encore derrière ? Bah, les gars, on a fait tout le jeu...
Ah! Où ça, il y avait un totem? Totem au tracteur. Où ça, il y a un totem, wesh? Totem, tracteur. Ah, là? C'est ça? Ah, mais putain, fallait le voir, ça, hein. Oh, la vache! Fallait le voir pour le croire! On a marché de ouf pendant la cinématique, hein. Là, les gars, c'est un totem du danger. Un danger à venir. Ok. Oh. Ouais. Bah, heureusement que vous étiez là, parce que là, j'avoue que je l'aurais jamais trouvé, hein. Vraiment, hein. Il était trop, trop bien caché, hein. Là, comment tu veux te dire qu'il y a un chemin à gauche, wesh? Regardez. Incroyable. C'est le miracle de Noël. Par contre, je suis choqué de savoir qu'on a marché tout ça. Donc là, on va prendre le chemin de gauche. Allez, miskin! Ok. Là, on va à gauche. Bas les couilles. Il paraît que tous les chemins mènent à Rome. Ok. Il y a combien de fins différentes dans ce dans celui-là? Il y en a que 18, je crois. 18 ou 20, hein, ce qui est déjà pas mal en soi, hein. Encore un totem? C'est le même? Non? Je crois que c'est le même, évidemment, ça aurait été trop facile. Ouais. Sauf que c'est des vraies fins. Ouais, bah oui. Bon, après, l'idée du podcast n'était pas mauvaise, mais c'est vrai que c'était un... ça faisait un peu long, quoi. T'as pas envie de réécouter 40 fois le podcast en version mieux trouvée ou autre, tu vois. Attends, parce que là j'avais vu des sortes de bancs. Peut-être sur un malentendu. Voilà, Bibi, je regarde. Tiens, tiens, regardez cette adorable petite gravure. Un M et un E. Une idée quelconque de leur sens? Ah, ça pourrait être n'importe qui, tu sais, Elisabeth et Miron. Ah, ou alors Michael et Emily. Relax. Je savais pas que tu étais si sentimental. C'est tout. Ouais. J'ai peut-être l'air d'un type très fort et viril de l'extérieur. Mais au fond, je suis en contact avec mes émotions. Tain, mais moi, je loupe toutes les apparitions, hein. J'ai l'impression que j'ai loupé quelque chose encore. Sentiments. Ah oui? Tu me montreras tes sentiments plus tard, c'est ça? Ma jolie, toutes sortes de sentiments. Oh, je peux te prendre au mot. Bon. Allez, Casanova. Alors attendez. On va faire une pause qui me paraît pas mal. Parce que il paraîtrait que pendant la session de Ouija, il y avait justement un fantôme. B. I. Une bite. B. Ah non. Bibliothèque. Ah ouais. Je l'avais pas vu, hein. Je l'avais pas vu. Quelque chose dans la bibliothèque. Putain. On va tuer. Donc, il y avait bien Anna derrière. C'était pas Josh qui simule ou autre. Ok. Bien, wesh. Bien, wesh, le chat. Vous êtes vifs. Il y a quand même une deuxième relecture du jeu, hein. Parce qu'on n'avait pas vu tout ça, hein. Ça sera sur YouTube. Et il y a d'autres apparitions qu'on a potentiellement foirées. Ok, donc il y a bien du surnaturel. Non, on le fait pas en une run, le jeu est beaucoup trop long, les gars.
À la limite, si on fait un sub-bâton et que vous lâchez vos subs. Qu'est-ce que c'est? Putain, y a des vrais cris, hein. C'était quelqu'un qui criait? Non. Non. Sûrement un écureuil ou... Je sais pas. Un écureuil, hein. C'est flippant. Si t'entends... Ah! Sûrement un lapin ou un écureuil. Chut. Quoi? T'as entendu? Roy, là, il lâche une giga caisse, je rigole. Ça, ça aurait été très drôle. Oui. Y'a quelqu'un? C'était même un cerf volant! On a eu chaud. Ah, le jumpscare du télescope, vous l'avez en clip? Pour voir effectivement ce que j'ai loupé, bah, même si c'est qu'il a été cut. Comme tu l'avais décrit, Michael. De la merde. Quoi? Le gîte. Je l'adore. Ouais. Ok. Un 10, 1. Carte de danger de mort, 1952. Ok. Une petite pause s'impose pour regarder le clip du jumpscare que nous avons entre guillemets loupé suite à un bug, je pense, de deux conversations qui se sont enchaînées. On va le mettre en x50 et on est parti. Mais t'es pas bien. Ok, effectivement. Ah bah. Ok, effectivement, on le voit bien, mais on l'a pas eu en entier. On l'a pas eu en entier. Je vais pas rester trop longtemps sur cet écran parce que ça fait flipper. Mais effectivement, il a le don d'exister. Il a le don d'exister. Merci mon rapa pour le 33e mois et merci do Brasil. Merci, bienvenue à toi mon ref. Ok. Il y a un totem plus loin, non? De toute façon, là, faut faire le gîte avant, c'est ça? Là, il y a des vrais crochets, frère. Ok. Merci, mon Tox, pour le 26e mois. Salut à toi. Bah, je savais que Until Dawn était beaucoup plus violent en termes de jumpscare que Ziquari, largement. Ah ! Fils de pute. Mais je savais pas à ce point-là. Je savais pas à ce point-là. C'est quoi ça ? Frère, je sais pas, mais c'est des vrais cris, hein. Pas sûr de vouloir savoir. Sûrement un lapin ? Il y a un ours, frère. Oh, il a pris un vrai truc, lui, hein. Merde. C'est horrible. Attendez. Je crois me souvenir que là, ça va ramener le gang. Ok. Le fameux piège à loup. Donc ça, c'est les conseils.
Ouais, ça c'est potentiel mort, tomber le feu. Ça c'est le gang. C'est pour dire d'un danger. Ça c'est la patate dans le nez, ça bouge pas. Et ça c'est une chance se présentera. Merde, je crois qu'il va pas s'en tirer. Hé, mon vieux. Oh, c'est pas vrai. Le pauvre. Ça va aller. Ça va aller. Oh. Ça va aller. Mike, il souffre tellement. Ce sera bientôt fini. D'accord, mon vieux. Ce sera bientôt fini. Horrible. Non, oh putain, c'était quoi ce truc? J'en sais rien. Eux, depuis le début, ils courent, ils savent même pas pourquoi. Sur le chemin, on y est presque. Je bouge pas au cas où d'un coup faut arrêter de bouger. Putain, je savais pas qu'il y ait des interactions comme ça à faire. Viens, Jess. Allez, on doit foncer. C'est ce que je fais. Dépêche. Okay. Faut pas passer loin. Non. Quoi? Je comprenais la situation. Tout le temps. Conneries. Non, sérieusement. À fond, 110%. Oh. Bordel, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Ouais, c'est un peu le cas. C'était un ours? Ouais. Sans doute. On a peu de temps pour réfléchir. Les choses vont vraiment vite. Ouais, je l'ai pas bien vu. Mais tout va bien se passer maintenant. Je te promets. Comment tu peux en être sûr? Parce que je suis à peu près sûr que les ours ne savent pas ouvrir les portes. J'en ai vu qui ouvraient des voitures. Quoi? Où ça? Sur Internet. Vraiment? Ok, bon, on n'est pas sur Internet, Jess, d'accord? C'est la vraie vie. Et je te promets qu'aucun ours ou quoi que ce soit d'autre ne viendra ouvrir cette porte. Ouais, t'as sûrement raison. Ok. Maintenant, je me sens presque détendue. Presque. Typique. Classique. Oh. C'est pas le chalet douillet qu'on m'avait promis, Mike. Ouais, c'est un peu en plein courant d'air, hein? Eh bien, il y a une cheminée. Ouais, on n'a pas besoin d'un feu pour se réchauffer. Michael, je suis une lady, et une lady a besoin d'un peu de romance. Ok. Une lady aimerait se blottir contre son homme devant un bon feu et profiter un peu de la douce lueur des flammes. Ça deviendra bien assez chaud lorsqu'on sera l'un contre l'autre. Mike. Ouais. Le feu et la lueur des flammes. Ouais. Malady. Je vais fouiller. Super. Parfait pour allumer la flamme. Et ben voilà. Hey, est-ce que tout va bien? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est rien, c'est les lumières. Je sais que ce sont les lumières, idiot. T'as tout cassé. Il doit y avoir un courju, je pense. C'est toi qui as un courju? Mike! Quoi? Oh, merde! Quoi? Putain, il est où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Perdu! Je l'ai perdu, ok? Jess, son téléphone. Attends. De quoi tu parles? Mon téléphone, Sherlock. Tu le trouves pas? Merde, non! Oh, c'est pas vrai, il a dû tomber dehors. Ah, merde. Je peux pas perdre mon téléphone. Mes parents me tueraient. T'en rachèteras un? J'en suis déjà à mon 4e cette année. Ok, ok. Bon, je vais t'aider à le retrouver. Il doit être dehors. Ouais. Je pense qu'on ne devrait pas sortir maintenant, à cause de l'ours. Enfin, de cette chose. D'accord. Une petite boîte d'allumettes. Salut, salut. Qui c'est qui va s'embraser? T'as préparé cette Moi phrase quand on est entré ici, pas vrai?
Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Jess! Un véritable fusil sniper. Regarde ça! Van de Longriff. Non, c'est plus cool. Ouais, non, mais effrayé, mais... Alors? T'aimes mon joujou? Bon sang. Pourquoi les armes rendent les hommes complètement dingues? Parce que t'as pas encore vu mon gros calibre. Ok. Encore une fois, ne jamais jouer avec un jeu. Je me demande si c'est pas dans Zikwari justement un clin d'œil à cette phase-là. Mythe et légende amérindienne. On s'en branle, les Amérindiens ont été décimés par les Anglais et les Espagnols. L'ours revint. Elle fut prise de rage et attaqua le commerçant. Je te suggère de faire du feu. Un aigle puissant. Ok, ferme ta gueule, je t'en supplie. Je crois qu'on n'est pas les seuls à avoir rencontré nos sympathiques voisins, les ours. Signes et symboles amérindiens. Ouais, bah, ça me réconforte pas vraiment. Les chasseurs amérindiens utilisaient des signes et des symboles gravés sur les arbres ou modelés sur les murs pour communiquer avec les autres membres de la tribu. Beaucoup de symboles avaient un sens religieux ou mystique. D'autres provenaient d'un danger ou offraient une protection. Et certains décrivaient les bons terrains de chasse. Tu dois allumer un feu, Michael, pas écrire donc, un roman. Il y a des chasseurs aussi, là. Longtemps. Chut. Faut qu'elle ferme sa gueule, elle. Il y a une prédiction qui m'a montré en train de mourir en allumant le feu, donc... Ouais, mais il m'aurait ce mot. Indice. Photo de tennis. Anna décroche le bronze. Nul. Ici, c'est que des numéros uno. Pourquoi vous me parlez d'une erreur en 2015? J'ai fait quoi en erreur en 2015? Avec quoi, là? Le Kama Sutra. Édité par Tom Eaton. Il était bon, lui. Ah, bien vu. Bah, frère, garde ouvert. T'es inventif. Lorsque l'un des amants presse avec force une ou les deux cuisses de l'autre entre les siennes, cela s'appelle accrochage des cuisses. Je connaissais pas cette position. C'est le ciseau inversé, ça. Utilisation multiple de plaisir sous les hautes formes, ok. Waouh. Je suis pas vraiment sûr d'être prêt pour ce niveau de... Lorsque la femme entoure son amant de part et d'autre, c'est ce qu'on appelle la position enlacée, d'accord. Tourne encore, on pouvait plus tourner. Non, j'ai loupé une page. J'ai loupé une page. Mais les gars, on pouvait plus tourner, hein. Calmez-vous, hein. D'ailleurs, il n'y a pas l'ombre du livre, hein, si jamais. Hein. C'est un livre fantôme. Ben, on pouvait plus, hein, voilà. Hein. Enfin, je sais bien que ça serait que vous en voudriez 150 pages. Au pire, achetez-le, hein, ça vaut pas si cher. Hein. Puis c'est un beau cadeau, hein, pour votre copain ou copine. Hein. Je dis ça... Puis au moins, vous lirez quelque chose. Yeah ah putain! Dégage, lâche-moi, je te dis! Un rideau de douche, c'est le seul point faible! Oh putain, putain de bordel de merde! Tu crois que c'était quoi, Mike? Allez! Ok. Bon. Bah, il est temps de faire l'erreur de la cheminée. Mais pourquoi vous avez dit que j'avais fait une erreur en 2015? Ça, c'est cuit.
Et là, on peut pas sortir. En 2015, t'as tué Jess. Oui, mais je l'ai tué à ce moment-là ? Ok. Ah, voilà pour le problème de la lueur. Et ben voilà. Alors on baisse ? Ah non, putain, faut allumer la cheminée. Merci Hardé Resté pour le 13e mois. Il en reste une. L'homme 1 le faisait rouge. Très bien. Je comprends pas, je comprends pas la prédiction où j'aurais pu brûler. Très bien, Malady. Et ensuite je pense que. Je pense qu'on va avoir. Merci, Morgix, pour le 41e mois. Eh ben. Si j'avais su ça avant. Je sais pas, je. C'est juste que je le sens pas encore. Il faut. Ah merde, j'ai pas vu. Qu'on se lance, tu vois. Comme pour sauter dans une piscine. Quoi ? Peut-être qu'on devrait commencer à. Tu sais, exploiter et voir où ça nous mène. Sérieusement ? Et tu pensais que ça marcherait ? Ça fonctionne toujours. Obsédé. Tu diras la même chose à la prochaine fille quand elle verra mes initiales sur l'arbre ? Aou ! Mike, les volets. Quoi, les volets ? Tu peux les fermer, s'il te plaît ? Tu sais, il y a personne dehors. J'ai l'impression qu'on nous observe, ça me plaît pas. Jess, sérieux, c'est bon. Hein ? Écoute, ça me plaît vraiment pas. Ok, je ferme les volets. Mais qui voit comme ça, frère ? Voilà, les volets sont fermés. Alors, où est-ce qu'on en était ? Je suis désolée. Désolée, je pense que j'ai un peu peur et c'est difficile pour moi de tenir bon et... Quoi ? Tenir bon ? Écoute, j'ai l'air super confiante et j'agis comme une bombe sexuelle et tout, mais au fond... Je suis pas une bombe latine ! Je vais être honnête avec toi. Je manque vraiment de confiance en moi. Oh putain, mais merde ! C'était sûr en fait, c'était sûr ! Jess, tu plaisantes, j'espère. Le classique américain. Quoi ? T'as aucune raison de manquer de confiance en toi. Oh. Arrête, si tu savais. Je sais. T'es comme tout le monde. Jess, j'ai un micro-pénis et confiance en toi. Mais tu sais te mettre en valeur. C'est peut-être une façade, mais pas seulement. Ouais. Si tu le dis. Ouais. Et ça, c'est hyper sexy. Vraiment ? Mais oui, bien sûr. Essaie de trouver une couverture et on pourra se blottir au coin du feu et... tenter de savoir si tu es plus mignon que con. Ok. Pas très gentil. Wow. Et commence à me casser les couilles. Sinon, il y a un lit, hein. Michael, les couvertures. Attends, Bibiche, je les ai pas encore chiées, hein. Madame, vous avez commandé une couverture. Et pour vous, monsieur ? Je veux quelque chose de doux, de chaud et de nu. Je pense que l'on peut trouver ça. Ah !
sûrement un écureuil. C'est quoi ça? J'en sais rien. Vas-y, j'adore rien. Tu ferais mieux d'aller voir, vite. Hein, trop bien, merci. Beau téléphone. C'est ton téléphone. Quoi? Mais comment c'est possible? Je sais pas, il est... C'est l'ours qui l'a rendu. Passé par la fenêtre. Oh, bordel de merde, putain. Quoi? Ces espèces de salopards nous ont suivis jusque-là pour nous foutre la trouille, et juste quand on commençait à... Ah! Hé! Hey ouais, bon, connard! C'est là, je suppose. Oui, vous! Je sais que vous êtes là! Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre? Vous voulez vraiment nous emmerder? Vous savez quoi? C'est pas possible! Vous gâcherez pas notre plaisir parce que Michael et moi, on va baiser! Et ouais! Je m'appelle Michael. T'as vu, regarde, Jess, ce que je fais avec une lampe. Je fais des tractions. Des tractions de bras, je travaille les corseps. Elle est morte ? Elle a survécu à ça? Pendant que je lui montrais comment je taffais mes muscles, elle a osé! C'est une honte! Une honte! Vraiment que les filles ont communiqué avec nous? Aucune idée. Je sais pas si j'aurais préféré qu'elles le fassent ou pas. Ouais. Va falloir qu'on le découvre. Bon. J'ai rien loupé là, on est d'accord en termes de totem, Michael's totem. Ah, c'est pas là où je me prends une patate dans le nez? Josh avait l'air de vraiment flipper pendant la séance. Ouais, il semblait... Et moi je lui montre mes biceps au calme. Tu penses qu'on aurait dû éviter de parler de ses sœurs? C'est pour ça qu'on est revenu ici. Ah, la bibliothèque. Mais pas comme ça, pas en faisant du spiritisme, on est peut-être allé trop loin. Alors attendez. Bonjour. Un indice, rien. Il n'y a plus d'électricité, mais on peut voir de la lumière venir de la salle sous la bibliothèque. T'as vu ce truc? Ouais. Mais il n'y a même pas de courant. C'est bizarre. C'est bizarre, en son. C'était trop drôle. Putain. Clippez, les gars, s'il vous plaît, le passage parfait où il y a eu... où elle s'est fait carjacker. Pendant que je lui montrais comment je faisais mes biceps. Merde! Est-ce que ça va? Je crois, oui. Regarde! Quoi? Il y avait un truc derrière le livre. C'est quoi ça? C'est un bouton? Pourquoi il y aurait un bouton? C'est une très bonne question. J'appuie dessus? C'est à ça que servent les boutons, je pense. Bon, on va attendre. Nous allons fouiller avant le reste. On dirait le bureau de Chris Hackett. Y a rien. Merci pour le clip. Je vais le garder de côté. Attendez, avant d'appuyer. Normalement, il n'y a plus d'électricité. Il y a un film là ou quoi? Si c'est le cas, j'espère que c'est une comédie romantique. Ok, donc il y a des passages secrets dans la maison des Washington. Il l'ignorait peut-être. L'endroit est super vieux. Bon, ouais, enfin, t'as mis des livres devant un bouton quand même. Ouais, donc c'est que. Non. Toi, t'y vas.
Super, merci. Elle est morte comme en 2015. Mais non, mais elle est pas morte, les gars. On est d'accord, elle est pas morte, Jess. Une araignée. Oh, les bâtards. Tu vois, si j'avais pas mis araignée, je suis sûr qu'elle serait pas pop. Quoi ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? Je vais les prendre et les saigner comme des pourceaux et arracher leur peau blanche et douce. 16 putains d'années. 16 ans à attendre les jolies petites Anna et Bess. Bizarre. La vache. Bon, Ash, je veux pas te faire flipper, mais... Regarde ça. Quoi ? Chris, c'est quoi ça ? Je crois que c'est précisément ce que le plateau voulait qu'on trouve. C'est l'indice ? Ouais, c'est une lettre. Laisse-moi voir ça. C'est une menace. Chris, c'est du sérieux. Il faut qu'on trouve Josh et tout de suite. Non, je retourne dedans. Cette caméra me hante. Y'a plus rien, on s'en va. Oh, Anna, tu nous régales. Oh. Tu nous régales. C'était quoi? Une porte? Ok. Attends. On sait jamais. Tu crois que quelqu'un en avait vraiment après Anna et Bess? Si c'est le cas, ce serait un truc de dingue. Mmh. 8 novembre. Cher docteur Soifam, merci pour votre réponse. Il est bon à savoir que la tribu sente toujours un attachement à cette terre, même si nous rencontrons quelques problèmes regrettables. Graffiti, personnes dormant dans les dépendances. C'est leur foyer ancestral, après tout. J'ai pris contact avec les descendants de la tribu et j'ai eu l'intention de faire un don au conseil. Melinda Washington. J'ai revu ce cinglé, jeudi à 21h17, en train de rôder autour du générateur. Ouais, elle fait vraiment un effort pour arranger les choses avec une tribu indigène, on dirait. Ouais, on dirait que le mauvais karma remonte à loin. Et c'est trop trop bien d'être revenu sur ce jeu, les gars. C'est la meilleure idée du siècle. Juste de repenser à un truc que j'ai vu avec ça. Quoi ? Il y avait un avis de recherche, comme dans les westerns, tu vois. Et alors ? Et Sam a vraiment pensé que quelqu'un était en train de la suivre. Et alors, tu veux dire qu'il y aura un criminel sur la montagne avec nous ? Il y avait ce message sur ce répondeur que j'ai trouvé, et il... Il était de ce sergent qui disait que ce type s'était tout juste échappé de prison. Et qui pouvait rien y faire. C'est-à-dire ? Il disait ça comme un avertissement. Mais bon, ça peut être n'importe qui se trouvait déjà au sous-sol. Quoi ? Sous le plancher, dans la bibliothèque, la lumière. Bah, il y avait ce type dont je t'ai parlé. Quoi ? Attends, quel type ? Le type qui menaçait les Washington. Il a dit qu'il voulait prendre sa revanche en incendiant leur maison. Et j'ai trouvé cette foutue lettre de taré. Chris. Si c'est ta façon d'essayer de me rassurer, t'es viré. T'as entendu ça? C'était Josh. Ça vient de la cuisine. Josh. Josh. Oh putain. Ashley. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'y vais, ça m'excite. On pouvait rien y faire, hein. Si, on pouvait y faire quelque chose.
Ouais, on est d'accord. Merci Larry pour le 19e mois, le 10e mois. On va s'arrêter là, les potes. Vous avez vu les tableaux qui apparaissent derrière? Non, mais c'est trop trop bien ce jeu, il est fou, il est fou. Je vais maintenant vous montrer des photos de gens que vous connaissez et appréciez. Mais vous ne les appréciez peut-être pas autant que vous le prétendez. Eh bien, ceci est un exercice de franchise. Dans chaque paire, désignez la personne que vous appréciez le plus. Prenez votre temps. Vos réponses sont importantes. Non, mais il y a les crochets aussi, évidemment, mais... Moi, je préfère Sam. C'est la sœur, wesh. Matt. Emilie, elle est conne. Oh, Chris, il me fait... Oh, putain. Les deux sont mignons, mais Chris, il fait taper des barres. Il est tellement con. Jess ou Mike? Bah, Mike, hein. Josh. H, large. Dites-moi, dans ce petit jeu auquel vous vous adonnez avec ferveur, quelle personne aimez-vous le moins? Oh putain. C'est laquelle la plus insupportable? Jess, elle est teubée sa mère. Mais Emilie, elle est insupportable aussi. Les deux, c'est dur. Jess est mignonne. Et peut-être pas très maligne. Mais inutile de vous en faire à son sujet maintenant qu'elle a été écartée. Concentrez-vous sur les autres. Fin de bon. Séance. La session touche à sa fin. Très sympa. Merci de vous avoir revu, docteur. Bon, les amis, il est temps pour nous de s'arrêter là. Vous avez vu le masque, là? Le masque de clown? Parce que j'avais dit que je détestais. Eh, ce jeu, il est incroyable, en vrai. Ce jeu, il est incroyable de ouf. Quel bonheur de revenir dedans. Fin de l'épisode !